Le département américain de la justice a lancé son programme au Bénin et au Togo en 2013 avec le Bureau international des stupéfiants en application de la loi du département d'État. Le projet avait deux objectifs. Améliorer les capacités des systèmes judiciaires à enquêter sur les crimes organisés transnationaux et aider à poursuivre les auteurs ainsi que promouvoir la collaboration régionale. Un manuel de procédure des affaires de stupéfiants au Bénin et un manuel de procédure des affaires de stupéfiants au Togo ont été élaborés à cet effet. Suivez à cet effet les propos de Carmen Corbin, conseillère juridique à l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Depuis 2013, le gouvernement des États-Unis a dépensé 5 millions de dollars pour atteindre ces objectifs. Notre action a pour but d'aider le Bénin et le Togo à lutter efficacement contre ce type de criminalité. Nous savons tous que les frontières du Bénin sont poreuses. Ainsi, le pays fait face à certains types de criminalité, tels que le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et d'éventuels actes de terrorisme. Avant moi, deux autres conseillers ont eu la chance de venir au Bénin et de travailler avec plusieurs experts béninois et togolais. Nous avons également enregistré de nombreux succès, le plus important étant l'élaboration et la diffusion d'un manuel de bonnes pratiques au Bénin et au Togo. Nous avons développé avec nos partenaires béninois et togolais un manuel de procédure des affaires de stupéfiants au Bénin et au Togo. L'objectif est d'harmoniser les pratiques des professionnels et la répression à l'échelle nationale. Il s'agit de se mettre à la disposition des acteurs un guide qu'ils peuvent utiliser au quotidien dans la collecte de renseignements, les enquêtes et la conduite de poursuites en vue d'un procès. En fait, nous avons élaboré deux manuels de bonnes pratiques, organisé 38 formations sur l'utilisation des manuels dans des villes comme Ouida, Parakou et Djougou au Bénin, et Atakpamé, Kara et Dapan au Togo, et formé plus de 2000 professionnels. Ces formations ont permis de développer la collaboration parmi les acteurs du système de justice pénale, de permettre de meilleures enquêtes et d'envoyer des signaux forts aux organisations criminelles par le biais d'enquêtes approfondies, de poursuites, d'instructions et de jugements efficaces. En plus des manuels, nous avons travaillé ensemble sur des affaires et discuté des meilleures pratiques. Nous avons développé un système de registre des affaires, maintenant utilisé par les tribunaux. Et nous avons continué à tisser des liens professionnels avec nos collègues de la région. Dernièrement, nous avons organisé un symposium régional au cours duquel des officiers de police et des magistrats du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria se sont rencontrés à Cotonou pour discuter des moyens de lutter contre la criminalité transnationale le long des frontières lointaines que partagent ces pays. Ce symposium s'avérait particulièrement important actuellement alors que la coopération avec les pays voisins est fondamentale pour combattre les menaces et à la sécurité régionale.